Décidément, la famille des chasseurs de bugs n'arrête pas de s'agrandir, puisqu'aujourd'hui, j'ai eu la bonne surprise de découvrir au courrier, entre deux catalogues de sous-vêtements, un sympathique petit bug du non moins sympathique Petit Prince, bug qui concerne Super Mario Land 2. Alors, cher petit, si tu me permets de t'appeler par ton petit nom, eh bien, merci beaucoup à toi. J'ai fait un jeu de mots, là. Super Mario Land 2 fait partie de ces jeux qui ont bercé l'enfance de beaucoup de joueurs. Aujourd'hui devenus adultes, ces joueurs se souviennent avec nostalgie de ce jeu bien sympathique, aux environnements variés. Mais d'autres s'en souviennent surtout pour avoir découvert un endroit secret où nul n'est censé pénétrer. Ah, attendez, c'est pas une cochonnerie au moins? Un monde hostile où la seule issue est le game over. Ah bon, ok, non, parce que pendant un moment j'ai cru que ça allait être une réponse à la « dans ton cul ». La manœuvre pour y arriver est assez simple. Commencez par entrer dans un monde que vous avez déjà clearé une fois. Il vous est donc possible de sortir du niveau à tout moment en appuyant sur Select lors de la pause. Trouvez un tuyau et appuyez sur bas pour y entrer. Une fois l'animation lancée, appuyez rapidement sur le bouton Start pour mettre en pause, puis sur Select pour quitter le niveau. Jusque là, rien d'anormal. Mais la surprise survient quand on rentre dans un niveau après avoir fait cette manip. Mario va alors traverser le sol et atterrir la plupart du temps dans un monde vide. Il est impossible de s'en échapper et on est obligé de resetter la console. Mais dans certains cas, c'est un tout autre monde qui attend notre pauvre Mario. Un monde malsain, fait de bouts de sprites imbriqués les uns dans les autres sans aucune logique. Bienvenue dans le Chaos World. Ici, pas d'échappatoire non plus. Le jeu se chargera de mettre fin à vos souffrances en plantant de lui-même. Ce bug, communément appelé Pipe Glitch, provient du fait qu'on quitte un niveau alors que Mario est en train de traverser des textures. Le jeu va donc continuer cette animation au début du niveau suivant, et ce, jusqu'à rencontrer du vide. Il existe une variante qui permet d'activer ce bug sans avoir à finir le niveau au préalable, appelé Pipe Glitch Death. Oui, alors pour ceux qui sont en train de ricaner comme des coquilleries, je vous mets au défi de dire ce truc rapidement. Pipe Glitch Dash. C'est pourquoi nous l'appellerons entre nous le Petit Prince Glitch Dash. Comme ça ne change rien au problème, en fait, nous l'appellerons plutôt le glitch de la mort du Petit Prince qui pipe. Ou alors le petit glitch qui pipe le Prince de la mort. Bon, enfin bref. Il consiste à emprunter un tuyau alors que Mario meurt. Les conditions sont bel et bien réunies. On quitte le niveau pendant l'animation du tuyau. Cette méthode, un peu brutale, certes, est cependant dure à exploiter car le timing est très serré. Alors certains d'entre vous me demanderont à juste titre à quoi sert un tel bug, ta gueule. Eh bien, ça fait partie de la culture buguesque. Et puis en plus, c'est toujours drôle à faire sur le jeu d'un ami et lui demander paniqué « Mais pourquoi ton jeu est mort ?» Avec un peu de chance, il va balancer sa console et là, on peut aller la récupérer. Ensuite, pour les plus curieux, je vous invite à aller jeter un œil du côté des TAS, vous savez, les Tools Assisted Speedrun, qu'on pourrait traduire en français par les courses rapides à assistement d'outils. Voilà, c'est assez drôle et assez rapide. Mais ce n'est pas tout, il est possible d'exploiter cette faille de programmation avec d'autres animations. Si vous arrivez à faire pause au moment précis où Mario rentre dans une bulle, vous pourrez la garder et l'utiliser dans n'importe quel autre niveau. De plus, les sprites de la bulle seront remplacés par d'autres sprites, comme des bouts d'ennemis par exemple. En plus d'être drôle, parce qu'il faut bien le dire, ce bug s'avère très utile dans certains niveaux. Bref, merci Petit Prince, on peut dire que ça, c'est un sacré tuyau. Attendez, mais je suis trop marrant aujourd'hui, hein.